Salut tout, on se retrouve pour un nouvel épisode. T'avais deux tisseurs, mais est-ce que tu as six productions de chanvre derrière? J'ai Est-ce fait un que tisseur. t'as L'île plus de a été chanvre que ce qu'il faut? colonisée par un autre joueur. C'est mon île, ça? Ah non. Mon. Ils aiment se Je peux pénaliser, vous mais aider? entre eux, ils conquérissent les mêmes îles, les IA. À croire qu'ils ont des îles qui qualifient de bien et d'autres qui sont pas bien pour eux. Ah oui, ils se partagent une île. Et c'est la deuxième qui se partage. Mais pourquoi? Bah. Bête à ce point-là. Il y a quelque chose de très attrayant chez vous. Ah bon? Il y a quelque chose de très attrayant chez moi. J'admire votre caractère conciliant. Oh, mon caractère conciliant. Il y a quelque chose de très attrayant chez vous. Oui, vous vous répétez, mon cher. J'ai cliqué beaucoup de fois sur le bouton et du coup il a pas arrêté de spam. Ah mais c'est une bonne île! Il y a de l'indigo et de la soie! On va pas prendre tant de bois et tant de tissu. C'est une île indigo et soie, tu m'étonnes qu'il soit trop content d'y aller! Hein. C'est une bonne île! Oui, ils sont très contents d'y aller! Moi j'ai pas d'indigo et j'ai Ah, pas je de suis déjà à soie, mais 40. Oh, ça m'énerve, j'ai pas assez, j'ai faut que j'ai Les deux paysans bateaux s'en qui s'occupent vont, d'une les mendiants seule s'en ligne de viennent, production. c'est la vie. Oh, c'est cher. Tu vois, je vais peut-être te vendre des bateaux. Tu me blagues, bien sûr que non, je peux pas te les vendre. Une île a été colonisée par un autre joueur. Quête de terre. Quelle île? À chaque fois que je vérifie, je me dis tiens, c'est peut-être une île à moi. Elle est nulle. Bah, il doit en avoir besoin. Sinon, il le ferait Pour de la pas. production, ouais. Il va faire de la production dedans. Ce qui est pas du tout bien pour nous, parce que bah, s'il fait de la production, qu'il est fou. Un sbire ennemi a été aperçu dans votre colonie. Une transaction Ils ont fructueuse. plus de Dans pistes, c'est bien des maintenant ils se sens. plaignent qu'ils ont plus de CD. Ah, salut toi. Pris la main dans le sac. On a évité un acte de Il n'y a rien sabotage. de meilleur qu'être assis à l'ombre et Qu'est-ce qu'il y manger a? des dattes. Il n'y a rien de meilleur que d'être assis à Londres et de manger des dattes. On est d'accord. Pendant que vous galérez à jouer. C'est tellement cool quand on fait rien, nous. Pendant que vous galérez à nous entretenir. C'est donc ça. Des fois, il est un peu bizarre, il suit pas les chemins qu'il a créés. Il a collé qui sert à rien. Petit navire de commerce construit, petit navire de commerce construit. J'aurais pas dû transporter tout Ce mon qui bois. paraît? J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Voilà, maintenant Je je peux serai heureux récupérer de mon vous aider. bouet. Ton bateau est encore suivi, hein. Oh mon dieu. Hop, on repart à l'autre bout de la Tout le carte. monde y trouve son compte. Il veut jamais te lasser. Je vais avoir fait le tour de la carte, hein. J'ai fait le tour de la Navire carte. jettera Bon, bientôt pas tout à fait l'ancre par les dans coins, votre mais. port, Ouais. Inch'Allah. Il y a un endroit où t'es clairement pas trop là, mais. Je On crois fera pas qu'ils un à sont bons. l'occasion. Est-ce qu'ils sont pas encore Y a moyen de quelque chose? retirer le bateau? Ouais, y a moyen, d'accord. Je vais juste savoir. Est-ce que là ils sont assez? Oui, ils sont assez. Qu'est-ce qui me coûte cher? Ils me demandent des Ne nous épices, ils me demandent chassez du sucre, ils pas! me demandent des habits On tout le vous temps! causera pas Tout le d'ennuis, temps! c'est Ils sont pas promis. capables de se débrouiller tout Quoi? seuls! On peut rester? Oh ouais, bah ça c'est super! Et ma Tâchez source donc de de faire production quelque brute, elle chose est avant que toute cette mauvaise! ville ne parte à Elle a vol pas l'autre. augmenté depuis tout à l'heure! Certains de nous ont un toit au-dessus de leur J'arrive tête pas à augmenter la maintenant! production, mais Merci! le temps Les est long. détails doivent rester. Donc c'est un peu chaud, quoi. J'avais oublié, mais les mendiants, ça fait quelques habitants en plus, même si ils sont pas très nombreux, et ça permet d'avoir des droits de citoyenneté.
Mais si mais tu prends les mendiants, tu perds l'argent des que les nobles t'auraient donné en contrepartie sinon. Ah. Ça sert pas à grand chose, quoi. Bah ça Les sert, détails mais. doivent rester entre nous. En fait, ils ont plus d'épices en bas. Là, il y a un d'épices. Là, il y a un d'épices. Ah oui. Je comprends d'où le fait qu'il y ait manque d'épices. En fait, c'était juste la dèche des épices. Voilà le problème principal. C'est la dèche des épices. Le Matériaux de succès est construction toujours insuffisant, il vous manque attirant. du J'en bois. suis la preuve vivante. T'es pas du tout attirant, t'es moche. T'es Chut. dégueulasse. Arrête de te plaindre des villageois, bon sang. T'as rien fait. C'est pas les villageois? Des IA, pardon. Ah, j'ai plus de Navire bois. prêt. Ah, petit navire de commerce. Non mais elle se vante la petite IA là, c'est pas incroyable. On dirait un bébé. On dirait un bébé. Totalement. Oh, ils sont trop loin de la taverne. Je peux compter sur Tant pis. Oh, ça m'énerve, j'ai un truc genre des épices, mais je peux pas Oh en mon dieu, ce tirer qu'ils demandent, dans Lord Je peux compter Lutenbo. sur vous. T'as de l'indigo? Quoi? Ouais. T'as Non, une j'ai quête, pas je fait te la laisse d'indigo. si tu veux. Ça rapporte 50 d'honneur et une roue de cordier. Qui permet de pro d'augmenter la productivité des cordiers. Je voudrais bien, mais j'ai pas de... Oh, ils te suivent plus! C'est vrai? Ouais, sois arrêté, va les rechercher. C'est là qu'on se dit, waouh! Comment c'est possible que tant de corsaires se soient retrouvés au même endroit? 6 corsaires coincés en haut de la map. Et il y en a un D'où le seul qui est en fait, dehors. pourquoi tu les vois? Au moins, ils nous embêtaient D'où plus le autre fait, part. pourquoi Hein. tu les vois? Ouais. Là, quand tu les vois, t'es un peu désespéré. Ah, on a plus Si d'épices. t'approches de chez toi, tu peux mettre des tours. Elles sont mortes, tes tours. Marlin, il fait la roue des épices. Non, mais je crois que c'était son Ah, mais j'ai même plus d'épices, en fait. objectif. Et puis les... Moi, j'ai plein, plein, plein d'épices. Mais les habits, maintenant, il me faut un petit... Alors, les bureaux du capitaine du port. Je peux pas le faire là parce que j'ai pas de. Ça c'est un tisseur. Okay. J'aurais dû mettre deux tisseurs direct. Hein. Je suis encore en manque de tisserands et tout. C'est. Alors, on va modifier la route Non. des épices. Ils sont en manque d'épices. Ils sont en manque d'habits. Ils sont en manque de taverne. Mais ça, j'en ai rien à faire. Mon Oh, elle a seul du pain, but. la madame. Elle va me Je n'ai rapporter un. encore été témoin d'aucune Je vais vision. toujours pas avoir. Soyez patient. Putain. D'accord, on attend ses D'ici visions. quelques temps, je pourrais acheter le champ qu'il y a derrière ma maison, au lieu de le louer. Oh, il va pouvoir acheter un champ. Quelle chance. Quelle chance. Je gagne énormément de sous. Je gagne 1500 pour te dire. Mais t'as combien de revenus bruts? 3000. Je gagne la moitié. C'est. Je crois que. Je sais pas ce que je fais dans mes autres parties, mais je gagne jamais autant. Peut-être parce que j'essaye d'aller aux patriciens et que les patriciens ils sont pas forcément aussi rentables que beaucoup de paysans. Puis j'ai beaucoup de nomades aussi. Et ce qui fait que du coup ils veulent des dates. D'accord. J'ai jamais vu beaucoup Voici de tomates, les premiers c'est... plans de T'achètes tout? construction que Ouais, le je problème c'est peux que j'ai vous des épices. remettre. Il y a trois badauds qui s'occupent des épices. Mais que ça suffit pas.
Allez, si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Ça suffit pas. Ce sera peut-être suffisant en 4, qui sait. Et là, un qui arrive avec 11 épices, là il en reste 7, c'est bien. Ça... Pour une fois, c'est et le lait... Et par contre, les habits, ça monte doucement, très doucement. Je serai jamais en trop d'habits. Ah bah c'est une bonne nouvelle. Vous avez trop d'habits. Tu feras, jamais. Non, pas possible. Vous devez vous tromper. Je peux pas avoir trop d'habits, c'est ouf. Moi, je suis à 1100 de plus. On va faire comme ça, j'ai la flemme de choisir qui va évoluer ou pas. Maison de citoyen, c'est 15. Maison de paysan, c'est 8. Très bien. T'as combien de sous, toi ? Félicitations. Beaucoup. Laissez-moi vous aider. C'est-à-dire ? 52 000. Ah ah ah, le seul corsaire qui reste, il attaque pour la vie. Le seul corsaire qui reste, ils sont tous en train de revenir vers ta base, t'es quêté. Ah oui, je vais les... Un navire de première... Il revient dans une ligne, tout près. Ta place, je rentrerai vite. Pourquoi il fait pas la route, lui ? Ah oui, parce qu'il voulait du bois. Il vient vraiment vers ma base. Il vient pas vraiment vers ma base. Au début, il s'est un petit peu tourné vers ma base, j'étais en mode... Ok, mon bateau, il va plus vite. Est-ce que mes mendiants, ils sont tous dans l'hospice? Ouais, il n'y a plus de mendiants dans les rues. Et là, c'est pas possible, je me fais attaquer de partout, maintenant c'est moi qui focus, mais non. Pourquoi c'est toi qui focus? Qu'est-ce que t'as fait à Horreur? Rien, rien. Ah, je les ai traînés pendant X temps, à toi maintenant. J'ai un bateau à moi qui va mourir parce qu'il va pas assez vite. Bah, une fois qu'ils sont blessés... Il n'était pas blessé. Bah ouais, mais à partir de... Bah, même pas du tout. Il va pas assez vite, point. Ah. Moi, mon petit bateau, c'est un bateau normal et il va assez vite. Il a pas de voile ou quoi que ce soit. Bah alors, moi, c'est pas ça. Il a peut-être un tout petit peu moins de vie, il a pris un coup, il a dû... Putain, ouais. Tous ses potes qui viennent derrière. Et le gars, je ne le connais pas à ça, donc je peux pas lui dire. Si on faisait la paix... Ouais. Et puis il te demanderait combien de sous 15 000. Un truc comme ça, sûrement. Quoi? Je l'ai payé 12 000, il m'a dit. Non, j'ai pas trop de l'heure. Tu t'as donné combien d'honneur? Zéro. Zéro, c'est possible ça? Ouais, il est pas obligé de... T'as payé à qui? À... Lord Utenbourg? Vizir. Le vizir, d'accord. Bon, parce que si jamais t'avais essayé un joueur, je suis pas sûr que ça marche. Là, j'ai 0% de chance de le faire. Ah, j'ai pas pu... J'ai dû déjà lui demander. Du coup, j'étais pas à 100% de chance. Matériau de construction insuffisant. Il m'a passé 80 pour 2500. Alors que l'autre il m'a payé pour 12 000. Il m'a... Wow. Tu sais ce qui va se passer, Horreur? Tu vas exploser tous les navires méchants. Presque. Ils vont t'exploser. Si t'as cessé de produire des marchandises. C'était pas le plan, mais. Attends, ils viennent chez moi là. Genre chez moi. Et merde. J'avais un petit navire que t'es resté chez moi pour de dégâts. Et bah il est mort. Ah bah oui, il est mort. Merde, j'ai un incendie. Ah bon?
Petit ou grand? Ah, c'est une flamme pour l'instant. Installés dans la colonie orientale d'un autre joueur. Oh! Il y a des émissaires. J'ai toujours su que venir vivre dans votre ville était une bonne idée. Oh, mon bateau s'est fait enculer. Quoi? Je peux plus faire de commerce. Parce que ma seule ligne de commerce, bah, elle passe chez moi. Mais t'as un truc à bateau, achète de la corde, c'est tout. Je crois que c'est le Vénitien qui vend la corde. Alors non, c'est pas ça. Ils sont juste devant chez moi, ils restent. Ça m'est arrivé aussi. Faut que t'attendes qu'ils partent. Ou alors tu les attires avec un bateau. J'ai pas un bateau de plus, j'ai pas eu deux bateaux à une quantité de sous monstrueux. Il me tue ces bateaux. Ah d'ailleurs, il y en a un qui me traque. Non, 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 non. Mais du coup, je suis en manque d'épices et du coup, j'ai toujours pas mes putains de gars mieux que les citoyens. Ça m'énerve. T'as pas de patricien. Bon, ça va arriver. Mais ça fait bien longtemps. Avant, j'avais un bug, ça marchait pas. Après, j'ai eu un truc qui manquait, un autre truc, un autre truc, un autre truc. Et ça s'est jamais fait. Oui, oui. Mais t'as pas besoin de patricien. Mais si! Mais non! Les bateaux bien, ça coûte quoi? Ah! Ah bah quoi? Mais non, mais fais pas des bateaux de guerre! Pourquoi tu veux faire des bateaux de guerre? J'ai pas débloqué les armes non plus! C'est pas les enculés qui me tapent tout le temps! Bah tu les esquives! Bah bien sûr! À chaque fois que j'essaie de les esquiver, ils m'ont tué! Les deux bateaux qui se sont fait toucher, ils sont morts! Ouais, mais faut pas se faire toucher! C'est ça le truc de l'esquive! C'est une esquive. Donc faut que je stime mes 5 bateaux qui se déplacent tout le temps. Parce qu'on serait pas au cas où ils pourraient se taper. T'es 5 bateaux? Bah j'en avais 5 avant. Ah mince, qu'est-ce qu'il en manque? J'avais pas mal de bateaux de commerce. Ah, j'ai des bugs visuels. Ah mince. C'est toi qui as mis en pause? Oui, oui. Alors, sauvegarder la partie. Enfin, je sais pas, je vais le voir rien. Ça me saoule un peu ça. A chaque fois il me manque un truc, au début il y a un bug avec mes patriciens, je sais pas, ils veulent pas être devenus un patricien. Alors, on attend que ça soit sauvegardé de ton côté. C'est bon. C'est bon. Retour au menu principal, et on reprend. Pas tout à fait, parce que moi faut que je ferme le jeu et tout. Ouais. Oh là 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 là. Ça me saoule. J'ai plus assez de vêtements pour mes citoyens, j'en ai fait trop. Et moi je peux même plus bouger, je peux plus rien faire, je peux plus bouger et... J'essaie d'avoir des patriciens. Et maintenant que j'ai tout, parce que j'ai galéré à avoir tout, il y a des corsaires qui se collent à chez moi et ils me tapent mes bateaux. Donc j'ai plus de commerce, donc je n'arrive plus à passer. Mais je croyais que t'avais 5 bateaux. T'as besoin de 5 bateaux pour faire tourner tes routes de commerce? T'as quoi comme route? Oui, parce qu'ils vont pas assez lentement, ils vont trop lentement pour que ça arrive en bonne quantité. Mais faut que t'aies du stock. Ils peuvent, normalement, ils peuvent transporter 40 par 40 et ça suffit. Oui, puisque j'ai pas des billets. Alors, multijoueur réseau local. Et bon, je pense qu'il va arriver un truc de fou bientôt. Tu verras. Donc là, je suis coincé, je peux pas avancer. Pourquoi la dernière c'est une autosave? Pas normal ça. Ouais, il a fait une autosave juste en même temps. Bon, on va prendre la sauvegarde. Et on attend erreur. J'ai peur que Sir Gavin ou Elena ils aient beaucoup de citoyens. Beaucoup de population. C'est possible qu'ils gagnent avant nous. C'est fort possible. On va voir, on va voir, on va voir. J'espère que ça n'arrivera pas, mais... Le dernier épisode, il sera peut-être un peu plus long. Pour éviter d'avoir coupé en plusieurs fois. Mais je pense que toi-même t'as beaucoup d'habitants. Ouais, j'ai quasiment 3000. Non, 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 quasiment 3000. Quoi? Tu me crois pas? Toi t'as combien d'habitants? Très peu. Ah. J'en ai 1000, un truc comme ça. Non, c'est pas possible ça. Si. Non, 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 tu me bobards. Tu me bobartines. J'ai plus de 1000 habitants rien que dans le sud.
J'en ai 100 dans le sud, un truc comme ça. Ah, t'as une toute petite île du sud. Mais ça coûte trop cher d'être dans le sud. Parce que ton île du sud, elle est loin. Faut des outils. Attention. Et oui, ouais, non, mais... parce que j'ai pas le choix. Et Aurore va bientôt charger. On l'espère tout du moins. Après je serais bien un truc où on soit vraiment bien allié, voir qu'on dirige le même personnage. Parce on que j'ai là, galère. Là j'ai 0% de chance de gagner. Ah bon? C'est bizarre. Vous êtes tous les trois hyper loin. Eux ils ont de l'avance en termes de niveau de villageois je pense. Et je sais ce que tu comptes faire et je crois que je sais ce que tu comptes faire. Quoi donc? Racheter. D'attaquer. Ah non, t'avais pas deviné. Attends, dis. Racheter une ville. Oh. Gagner. Oh là 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 là. Est-ce que tu me connais bien? Problème, bah je peux absolument pas faire ça. Je sais pas comment on fait. Alors il faut aller dans les accomplissements vénitiens. Débloquer les trois trucs de base, acheter attaque de prise de ville. Mais en vrai, c'est long, les prises de ville. Parce qu'il faut 10 minutes entre chaque achat d'action. Même si tu peux les acheter 13 en avance. Il a fait quoi le jeu là? Il a crash, c'est tout? Pardon, vous avez un écran noir. Il a juste crash. Je sais pas si je peux vous mettre une jolie image. Alors... qu'est-ce qu'on va vous mettre comme image? Comme ça sera mon image d'arrière-plan. On va jouer à la loterie pendant ce temps-là. Toi, je te donne. Non. Alors, Anno, relance-toi, s'il te plaît. Pourquoi il fait ça? Il devrait pas. Ma darling, ouais. Je te passe 2600 et tu me passes sûr. 80 d'honneur. Mais tu fais quoi? Bah, je paye des gens. Mais t'es dans la partie sans moi? Bien sûr. À n'importe quoi. Attends-moi, voyons. Regarde en bas à droite les accomplissements vénitiens, si tu veux savoir comment on achète une ville. On attend d'autres transactions en ligne. Quoi? Multijoueur réseau local. Hydro. Ça. Chargé. Tu viens à Horreur ou pas? Attends, je demande déjà des sous pour voir si ils acceptent. Et alors? Passe-moi ça.
Et Horreur est avec nous. Moi qui voulais écrire des messages secrets pour mes abonnés. Ah mince, est-ce que... Non, c'est bon, l'image est revenue. T'es en live ou quoi? Non, mais sur la vidéo. Après, je veux bien tester de jouer un joueur avec toi. Et on est en guerre contre les trois autres joueurs. Je sais pas si j'aimerais moi jouer à plusieurs sur le même personnage. Bah ouais, mais je sais que c'est très... Bah pour moi, c'est presque impossible. Enfin, c'est moyen parce que c'est presque impossible d'être aussi fort que toi. Parce que t'as beaucoup plus joué et que t'as beaucoup plus de stratégie. Faut jouer plus alors. J'ai joué quasiment autant avec toi qu'en solo. Pour l'instant en tout cas. Essaye d'acheter une ville. Si t'arrives à acheter la ville d'un joueur, je pense que avec ta ville et sa ville, hop, tu gagnes. Tu peux même essayer d'acheter ma ville si tu veux. Peut-être qu'elle vaut moins en sous. Acheter ta ville? Mais comment tu veux que j'achète ta ville? C'est vrai que c'est plus facile d'acheter la ville d'un joueur. Mais non, mais les villes des joueurs, elles valent encore plus parce qu'ils ont des citoyens qui de plus haut niveau. Mais comment je te t'achète ta ville? Je sais même pas comment faire. Alors tu vas dans les succès vénitiens, tu débloques trois parmi les trois premiers. Après tu arrives aux accomplissements vénitiens de niveau 2, tu prends celui qui s'appelle prise hostile de ville ou un truc comme ça. Et après? Et après tu achètes une action dans ma ville, puis tu achètes une autre action. Puis une troisième. Ça va pas coûter genre super cher ça? Les actions elles peuvent coûter 5, elles coûtent 5000 de base. Bah c'est beaucoup 5000. Alors les vénitiens tu m'as dit? Ah adieu, désolé. Ah vos ça a été juste super impressionnant. Rapide. Vos espoirs n'étaient pas vains après tout. Et après j'achète quoi? Viens voir pour que je comprenne. Ouais. Acquisition bon, du fil, bah, il faut les c'est putain de patriciens que j'ai jamais pu avoir à cause d'un gros bug. Ah mince. Bah on fera une autre partie probablement. Et en tout cas c'est fini pour celle-là. T'as acheté la ville de qui? Mais j'ai acheté la ville de personne, j'ai atteint 5000 citoyens. Quoi? Puisse Allah bah oui. Vous bénir pour votre j'ai atteint 5031 là. Tu veux que je te dise ce que j'ai? J'ai 200 patriciens, 1800 paysans. Non, 1800 citoyens. Ah ouais, j'avais pas réalisé. Bon, ils se plaignent mes citoyens, mais j'en ai 1800. Ils ont plus de vêtements parce que je les ai bloqués pour que les patriciens soient pas trop en colère. Et actuellement, Dieu ils ont pas les épices qu'il leur faut. Je vais bien quand même tester une partie contre 3 IA de le même joueur. Pour tester. Bah, sinon, toi, essaye en solo peut-être? Comment tu veux que je joue le même joueur que quelqu'un en c'est solo? C'est fou qu'on puisse gagner tant de sous par contre. Ouais. Et t'as regardé les accomplissements vénitiens? Oui, j'ai vu. Mais j'ai pas pu les tester. Alors. Permet aux joueurs d'acquérir des actions dans les villes lorsque le joueur concerné a atteint le niveau patricien. Dans votre colonie. Mais on voit encore des sbires ennemis. Les pourris. De quoi? Ah, il est là. Salam alaikum. Nous avons pu appréhender qu'il y a cette... C'est toi qui m'as envoyé un spire? Non. Bon, de toute façon, j'ai gagné. Je sais pas combien ils étaient, les IA. Je pense qu'ils étaient à moins, clairement. Regarde la taille de ma ville principale aussi. Bah, regarde la mienne. Je rigole. T'avais combien d'habitants, toi? J'en avais 2000. C'est vrai? Bon, faut oui, dire. Oui. Dans le sud, j'en avais 2400. Bah voilà, c'est ça qui me manquait. C'est ça la différence. J'ai juste pas du tout eu des gens dans le sud. Par contre, je suis sidéré du fait que ça rapporte tant de sous. Bon, faut dire, j'ai pas d'armée, j'ai pas de bateau de guerre. C'est clair qu'avec 200 d'entretien des bateaux et 400 bah, d'entretien contre, des armées. Par contre, si vous foulez là, les citoyens qui veulent rien et tout, qui veulent pas être patriciens parce que ceci, parce que cela, que c'est totalement buggé.
Je sais pas comment ça se les fait ça. Les émissaires se sont installés dans la colonie orientale. Oh, il y a eu des émissaires. Trop tard, mademoiselle. Madame. La production a été interrompue. Léna de Flores. J'ai dit à mes paysans, vous arrêtez de bouffer. Pourquoi? Vous me cherchiez? Je sais pas, j'avais envie, ils m'ont saoulé. Qu'est-ce que vous dites? D'autres nobles veulent suivre mon exemple? Splendide! Un traité oui, de commerce. Juste transaction. Un traité de commerce serait. Une... Je suis si soulagée. Elle est si soulagée. Puisse Allah vous bénir. Elle est une voix cristalline. Ah. Oh les vous... colards! Qu'est-ce qui t'arrivera? Merci. Ah, tu dis oui? Ah, mais t'as des corsaires qui se baladent. Attends, mais tu peux pas donner l'argent? C'est un de mes meilleurs navires. Oh, il y a un combat là. C'est qui bat qui? Ce navire. Horreur qui tue un corsaire. Horreur qui se fait enculer par un corsaire. Bah, t'es à 2v1. Doit de mettre tout de commerce. Ah, le petit navire de commerce il fait rien donc t'as intérêt à partir. Mais il ne tape même pas le navire de commerce. Pour une puissance neutre. Il ne faut pas espérer une révélation. Ah, c'est pour ça que j'avais plus de pain. J'aurais pas eu de révélation. Tu devrais faire partir ton petit navire de commerce. Oh non, mais j'ai rien à faire. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, c'est fini. Bon bah on va voir comment les bateaux pirates... D'ailleurs. Je croyais que tu les avais vus. Je crois que le bateau pirate il fait 10 de dégâts. Hop c'est fini, il t'a touché. Est-ce que tu vas pouvoir battre son bateau corsaire du coup? Ah, sauf si ils se mettent à tous taper sur ton bateau. Bah t'as sauvé ton petit bateau de commerce du coup. Ah et le pire c'est qu'ils s'en vont après. Genre il y a le petit bateau de commerce juste à côté, ils font... Ah si, d'accord. Non, je l'ai pas suicidé. En combien de temps ils vont le tuer? En 2 tirs, c'est 7 bateaux, il tue ton bateau. Il y en a un qui ralentit d'ailleurs. Attends, je suis à des épices là, j'ai des épices. Ah, j'ai plus de sous. Avoir des batteries. Ah, j'ai plus de sous parce que j'ai plus de vêtements et plus d'épices. Et plus de cidre. Bon voilà. Mais bon foot là, à la fin, bah, j'ai fait que monter. Un niveau de civilisation supérieur. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt. Chut, horreur. Hop, ça sera mieux. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Anno 1404 en multi ou en solo. Normalement, j'aurais tourné la partie que je vais faire en difficile avec le mode général prochainement.